Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout comme moi ça va très très bien. Aujourd'hui on est là pour une petite vidéo glitch sur GTA 5 dans laquelle je vous montrerai comment avoir le tank en chrome après la mise à jour 1.9. Donc il vous faut une clé USB et un PC. Donc vous devez brancher votre clé USB à votre PS3 et vous devez aller sur utilitaire des données. Et là vous allez sur votre dernière sauvegarde et vous appuyez sur triangle. Voilà, dernière sauvegarde, appuyez sur triangle, vous appuyez sur copier et vous allez vous copier cette sauvegarde sur votre clé USB. Donc voilà, là on se retrouve sur mon PC, donc vous devez télécharger un logiciel. Donc je vous mettrai ça dans la description. Donc quand vous avez téléchargé ce logiciel, enfin après avoir fini de télécharger ce logiciel, vous devez appuyer sur Open File et vous devez aller sur votre clé USB. USB, PS3, save data, voilà le fichier est RAGE. Donc le fichier ça se nommera RAGE. Donc voilà, vous appuyez oui ici. Et donc normalement ça prend un peu de temps. Donc là, ok. Et là vous choisissez Franklin. Donc voilà, vous choisissez Franklin, vous appuyez sur garage. Et là il y aura le garage. Et là vous choisissez sur vous remplacez. Si vous avez un véhicule, bah vous cliquez sur le véhicule et vous faites comme je vais le faire là. Donc vous cliquez sur le véhicule et vous allez sur Rhino. Donc voilà, vous remplacez. Donc si vous n'avez pas de véhicule, si vous avez encore de la place dans votre garage, vous devez appuyer sur None. Et voilà. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc None. Et là vous devez appuyer sur Rhino. Donc voilà. Rhino, vous normalement ça vous donnera ça. Voilà, vous appuyez sur Rhino et là vous allez tout en haut et vous mettez Chrome. Là aussi vous mettez Chrome. Et donc ça à vous de choisir, hein. Vous pouvez mettre rose comme vous voulez. Donc voilà. Après vous appuyez, donc voilà, vous remplacez, vous mettez votre argent max, vous mettez vos munitions masques. Et donc vous appuyez sur Save File. Donc voilà, Save File. Et on se retrouve sur ma PS3. Voilà, sur votre PS3, vous allez sur utilitaire de données sauvegardées. Et vous allez sur votre clé USB. Et vous allez appuyer sur triangle, copier, et vous faites deux fois oui. Donc oui et oui. Donc voilà. Maintenant, vous lancez GTA 5. Donc vous allez dans le garage de Franklin. Et vous mettez face au tank et vous appuyez sur start en ligne et session sur invitation uniquement. Arrivé dans GTA Online, vous devez prendre une voiture dans la rue et vous devez aller devant le LS Custom. Enfin, devant n'importe quel LS Custom. Désolé, j'ai eu un bug. Et donc voilà, donc là vous allez sur Start, enfin vous cliquez sur Start et vous appuyez sur Options et puis vous mettez votre point de réapparition sur dernière position. Et là, ah oui, vous devez sortir du véhicule bien évidemment. Et là vous re-rentrez dans la voiture que vous avez pris dans la rue. Dans la rue. Et donc voilà, vous rentrez dans le garage et là vous devez appuyer sur Start et PlayStation Store. Donc au premier flash vous devez enlever votre câble Ethernet, ou soit si vous n'avez pas de câble Ethernet vous devez appuyer sur le bouton PS et vous devez vous déconnecter du PSN. Donc là normalement il vous dira que la connexion a été interrompue et vous devez retourner en mode solo. Donc vous retournez en mode solo en appuyant sur X. Arrivé dans le mode solo, donc là il faut un peu de blabla, etc, etc. Donc voilà, arrivé dans le mode solo, je vais aller dans le garage de Franklin. Et donc je vous ferai un tutoriel sur ce logiciel qui est assez sympa. Donc voilà, vous devez aller dans le garage, vous devez rentrer dans le garage de Franklin. Et donc voilà, j'avais raté, donc la deuxième fois j'avais mis un autre tank dans le garage. Donc voilà, vous prenez un tank. Et vous allez devant un LS Custom. Donc vous mettez votre point parce que c'est assez difficile de rouler en tank sur l'autoroute, hein. C'est normal. Donc voilà, moi je vous retrouve juste après.
Arrivé devant la LS Custom, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous mettre face à la porte du garage. Donc voilà, vous mettez le canon, enfin vous. Voilà. Vous mettez jusqu'à que votre tank n'avance plus et vous allez sur start en ligne. Et là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous connecter, bien évidemment. Donc vous rebranchez votre câble ou vous connectez par le PSN. Et vous devez aller sur une session sur invitation uniquement. Donc moi je vous dis à la prochaine, bye les gens, et cliquez sur j'aime. Voilà. Bah je vais rester avec vous. Voilà. Voilà. Ça vous pose un problème? Non. Donc voilà. Je vais rester avec vous jusqu'à la fin. Donc voilà. Donc si tu as un gros pénis, un putain de gros pénis, clique sur j'aime. Et donc moi je vous dis. Enfin moi je te dis parce que ouais je te tutoie. Et donc moi je te dis à la prochaine et. Clique sur j'aime si tu as un putain de gros pénis et moi je te dis à la prochaine, bisous et peace out.